Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier récap du Winter Split du LEC 2023. Avec le nouveau format, ce split se conclut par un enchaînement de 3 BO5 au cours desquels les 4 équipes restantes se battent pour le premier titre de l'année et une place au MSI. G2 est en grande finale au bout de l'arbre, Koi juste en dessous et c'est donc SK et Mad Lions qui ouvrent le bal. Leur affrontement est très serré et les deux équipes restent au coude à coude jusqu'à la game 5. C'est Mad Lions qui en sort victorieux mais c'est surtout le Blue Side qui finit avec 100% de win rate. Au cours de ce BO, Zoé a été joué par Niski et Certus, mais c'est surtout Gragas qui a fait une entrée fracassante dans la méta de ce week-end. Niski l'a joué à 2 reprises pour 2 victoires, bien accompagné ces 2 fois par le Jace de Chazy. Le top laner coréen réalise une game 5 absolument splendide et aurait été un grand facteur de la victoire de ce BO, lui qui était plus en retrait tout le début de saison, il a choisi le bon moment pour step up. De l'autre côté, Exakik et Dos ont pris le dessus en lane sur Karzy et Illisang, notamment grâce à son fameux Aphelios, mais ça n'a pas été suffisant pour cette fois. SK termine ce split à la 4ème position, un résultat encourageant pour cette équipe pleine de promesses. Mad Lions enchaîne directement le lendemain contre Koi, les champions en titre. Dans ce duel espagnol, c'est Koi qui assène le premier coup dans un style très contrôlé après un très bel early game et surtout un fight avantageux autour du héros de la faille. Larsen finit en 11-1-4 avec Tristana. Mais dès la game 2, Mad reprend du poil de la bête, il joue à nouveau Jace, Vi, Gragas et se montre extrêmement convaincant là-dessus. De ce fait, Koi veut rejouer le même style de compo qu'en game 1, mais Mad Lions se prémunit contre ça avec beaucoup plus d'early game et Koi ne snowball pas et finit avec une composition majoritairement AD qui ne fait pas assez de dégâts. Comp s'est même excusé sur Twitter directement après la game d'être parti létalité sur Varus plutôt que on hit pour avoir plus de dégâts. Dernière game, Chazy last pick Irelia contre le Gnar de Zigunda et Mad Lions joue autour de lui pour qu'il pulvérise son match-up. À 18 minutes de jeu, il avait plus de 5000 gold d'avance sur son adversaire direct. Comp et Larsen ont tenté de tenir la game mais ça n'a pas été suffisant, Koi finit sur la plus petite marge du podium. Et donc Mad Lions atteint la grande finale pour se confronter à G2 qui font office de favoris de titans à déloger de leur socle. Il semblerait qu'ils aient les pieds bien ancrés à leur place, c'est-à-dire juste devant le trône. G2 remporte cette finale 3-0 dans son style en jouant très agressif, confiant, parfois arrogant mais toujours meilleur tout en montrant une nouvelle fois une diversité de draft très spéciale, Kled top puis mid mais aussi Samira, Jarvan bot. La première game se termine en 25 minutes et autant de kills, la seconde en 27 avec un Ansama qui est sorti de lane avec 3400 gold d'avance sur Karzy. La game 3 fut différente car Mad Lions avait l'avantage mais n'ont pas réussi à conclure et G2 ont été meilleurs en teamfight passé 30 minutes. Avec cette victoire fracassante, ils deviennent les premiers vainqueurs d'un segment d'hiver et sont d'ores et déjà qualifiés au MSI à Londres en tant que seed 2 européen. Le seed 1 sera déterminé au Spring Split qu'ils peuvent également remporter. Ce trophée sera le premier, enfin, de notre cher Ansama qui court après depuis tant d'années, mais aussi pour Yike qui réalise un parcours fabuleux en enchaînant champion de Div 2, de LFL, puis de LEC coup sur coup. L'avenir semble radieux pour cette équipe, mais ils n'auront qu'une semaine de pause avant le Spring Split qui commence le samedi 11 mars à 18h avec le retour d'Excel et Fnatic.